Ouais, c'est Crash Team FDJ, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Voilà, c'était pour vous dire que ce que vous voyez là, le petit karting, le Veto classique, ouais, c'est ça. Je me rappelle du nom du véhicule parce que c'est vrai que j'avais déjà fait des présentations de véhicules et des fois c'était un peu compliqué de se rappeler le nom du véhicule. Donc voilà, je vous remontre, ouais, c'est la Dinka Veto classique, voilà, sportive, pour info. Donc voilà, c'est un genre de petit karting. Donc, c'est un nouveau véhicule du nouveau DLC The Cayo Pano, je crois que c'est ça. Vous me direz en commentaire hein, si je me suis trompé. Voilà, donc, on va là pour le trouver. Et il est, regardez, à 0$. Regardez-moi ça les amis. Promo 0$ au lieu de 8 attendez. Voilà. Au lieu de 895 000$, et ben il est à 0$ les amis. Et ouais, regardez-moi ça. 0$. Donc je ne sais pas jusqu'à quand il est à 0$. Enfin, il est gratuit quoi. Vous pouvez l'avoir. Donc voilà, vous avez juste à aller ici, hein, Southern San Andreas Super Auto, voilà, et vous le trouverez, voilà, à 0$, la Dinka Veto classique, voilà. Donc, regardez-moi ça. ouais, ok. Donc j'ai testé un peu ça hors vidéo. Franchement, comme c'est un karting, je veux dire, c'est un peu dur à tourner. Regardez, quand j'essaye de tourner, c'est un peu dur. Bon, je pense que c'est un karting, c'est normal. Mais je pense qu'on peut l'améliorer en custom, je pense. Bon, je pense en couleur, en motif, on peut pas. Je pense pas qu'on peut en mettre, vu que c'est un karting, il n'y a pas grand-chose à mettre dessus. Ouais. Donc on va se mettre en première personne. Bon, on voit pas grand chose à part le volant. Voilà. Donc je précise, voilà, ce véhicule qui s'appelle le Dinka Veto Classic Sportive. Donc voilà, vous allez dans le téléphone et puis vous trouverez ce véhicule. Voilà, ce karting quoi. Voilà. Assez stylé, je veux dire, avec la couleur de mon personnage. Je veux dire, je suis habillé tout en rouge et ça va bien avec la couleur du karting. Voilà. Par contre, ouais, là sur les rebords, on peut pas. C'est un peu compliqué à monter. Je veux dire, compte sur un énorme trottoir, il faut pas trop tenter parce qu'on peut être bloqué vu que c'est un véhicule assez bas. Donc voilà. Voilà. Avec le petit moteur à l'arrière là, assez fun. Voilà. Donc c'était pour voilà, c'était pour vous faire une petite vidéo sur ce véhicule. Voilà, en même temps je le teste pour vous, voilà. Donc ouais, franchement ça va, il y a assez bien le petit karting, donc à 0$ hein, je précise. Voilà. Donc, niveau accélération, ça peut aller pour un karting, franchement. Et bon, au niveau de faire des virages, c'est bon, des fois on peut se prendre des murs ou des trucs comme ça. C'est un peu chaud à tourner, c'est un peu dur, je vous cache pas. Mais franchement, c'est cool quoi. Ils nous ont mis un karting quoi. Je ne savais pas. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire cette vidéo pour vous. Voilà. Et puis tester comment le véhicule roule sur la route. Voilà comment il tient. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Crash TMFDG. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis bye bye à la prochaine. Peace! Salut! Bye bye! Ciao ciao!